Et YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Continue, il nous reste 3 parties à faire pour finir totalement. Le centre du territoire des humains. Vous avez goûté au nectar de la victoire et vous en voulez davantage. Il est clair qu'il suffit d'une frappe décisive sur les humains pour paver le chemin vers votre domination pure et simple. Les rapports de vos espions pointent vers un campement situé au centre du territoire des humains, où ils entraînent leurs chevaliers et soldats. Bien qu'ils ne s'attendent pas à un assaut direct, leur résistance sera sans doute féroce. La destruction de ce site devrait grandement affaiblir leurs forces et graver votre rôle de chef de guerre dans la roche. Nul ne survivra. Ok. C'est parti. Wouh! Oh bordel. Ok. Ah d'accord. Donc... on n'a pas de... on n'a pas de base à construire. Ok, d'accord. Bon, alors du coup... c'est un peu touchy ce genre de mission. Nuage de poison... Ok, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe là-haut. Ok. J'ai plus de mana. Suivant. Ok. Faut pas que je fasse de conneries. Ok. Bah, si on passe par là plutôt. Allons-y. On explore un peu la map. Voilà, je pense qu'il y a probablement un pont. Il n'y a peut-être pas de pont. Il y a une mine. Il y a un pont. Ok. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Ok, alors. Ah! Ah! Non! Ok. Alors attendez, parce que du coup, une question se pose. On est d'accord qu'on peut faire ça. Mais est-ce que les nuages de poison, on peut les faire à distance comme ça là?
sûr. Ouais, d'accord. Mauvais bail cette histoire. Oh bâtard. Oh bâtard. Ok bon. On va traverser. Oh bah d'accord. Ah oui, la mission était vraiment facile. Ah d'accord. Attendez, le chat veut sortir. Ah oui, donc la mission était vraiment facile. D'accord, c'était easy mode. Ok. Ok, alors. Le comté de l'or est Russelune. Donc là, on est vraiment juste à côté de Stormwind. On est côté ouest. La marche finale sur le foyer du roi Lane, le donjon de Hurlevent est proche. Seules deux pathétiques cités se dressent sur le chemin du vaisseau de votre autorité cruelle à créer. De votre autorité cruelle à créer. Ah oui, d'accord, ok. C'est bizarrement écrit. Les humains vous auront bien diverti, mais leur dernière heure est enfin arrivée. La destruction complète et définitive des villes jumelles Comté de l'Or et Russelune tranchera le lien vital entre le peuple et son roi et précipitera la chute de ce dernier. Très bien. Ok. On a une base mise en place comme d'habitude. La même chose. Donc j'ai deux camps à tuer, visiblement. Très bien. Il faut de l'or d'abord. Donc il me faut une mine. La mine est là. On a la mine. On explore un peu. Okay.
construire des maisonnettes. On va aller péter le bois là. Là j'ai qu'une seule entrée. Exploration. Il y a une mine qui est ici. On est au bout de la map. Combien la mine? Ouh, 46 000 ici. Et la mine elle est de combien là? 32 000. Ok, c'est pas mal, c'est une bonne mine ça. On peut pas construire de base, de deuxième base encore? J'ai l'impression que c'est pas possible. T'as une base qui est fournie à l'origine et après c'est mort quoi. Ah, tu peux pas construire d'autres bases. Okay. Il va falloir casser ça et ça. Il y a peut-être une. On va peut-être arrêter, on va miner ça plutôt. On va mettre ça là-haut. Ok, donc tu commences à avoir pas mal de ressources. Continue à faire des maisons. Ah, il n'y a qu'une seule entrée? Oh, s'il n'y a qu'une seule entrée, on est pas mal. Il n'y a qu'une seule entrée. Vite, 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 vite. Non, 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 non. Ok, j'ai pué encore. On va construire une scierie. J'ai déjà une scierie, j'ai déjà une caserne. Donc du coup, on va construire une forge tout de suite. Base vite. S'il va falloir produire des catapultes très très vite. Il y a une mine qui est ici. En vrai, elle est plus près. Hein. Je devrais plutôt miner. Je devrais plutôt raser ici. Mais... on va en mettre quand même. Oh putain. En fait, ils rendent invisibles en fait. C'est ça l'histoire.
Ah d'accord. Une catapulte, on va la placer là, on va placer une catapulte ici, ici des deux côtés. Ici. Oula. On va remettre les bons graphismes. Hein. Et on va mettre une de l'autre côté. Continue à construire des maisonnettes. Parfait. On va la mettre ici. What, c'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Donc il m'a bousillé je sais pas combien de trucs lui. Il m'a bousillé ma catapulte. Du coup j'en ai une de moins. Faut que j'en fasse une. Faut que je fasse un chenil vite aussi. Parfait. Si ce spot ici c'est parfait. Une maison. J'ai pas assez d'or. Ok. J'ai des pions qui font rien là, en fait. Ok. Là on est très très bien. On est extrêmement bien positionné. Tu vas rester là toi. On va continuer à produire. Parfait. On va laisser 2-3 soldats à l'intérieur parce que chaque fois je me fais surprendre. Continue à faire des péons. Excellente défense du coup. J'ai accès à cette mine là. Ok, on va commencer à améliorer tout. C'est parfait, c'est parfait. Le taf est bon. Voilà, je savais qu'ils allaient venir me casser les couilles. Voilà, c'est ça qu'on veut mon ref. On améliore. On va construire un chenil.
Voilà, l'or va commencer à rentrer de façon très importante. Il va falloir tout améliorer. Ok. Il va falloir que je parte en exploration. Mais je vais d'abord construire un maximum de... de chevaucheurs de loup d'abord. Et rapide. Pour aller explorer la map très vite. Les lanciers, on va les améliorer. On est pas mal. Hein. Ça fait mal, hein, ça. Vraiment. Ça fait vraiment mal ces invocations de mort. Je sais pas ce qui serait efficace contre ça. Exactement pour ça que je laisse des soldats à l'intérieur. Pour pas me faire surprendre. Ok. Ok, on est pas mal. On va aller explorer avec ce loup dans pas longtemps. J'améliore encore sa vitesse pour être tranquille. Ou alors, je construis un truc pour pouvoir faire des araignées là. Les araignées c'est efficace pour aller, elles vont vite et c'est efficace pour. On va faire ça, je pense. La Syrie, c'est bon. Les loups, c'est bon. Casse les couilles. Est en train d'exploser là, c'est parfait. Mais pourquoi ils attaquent pas en fait? Genre, ils sont en plein milieu, ils attaquent pas. Très bien. C'est parfait. Un crâne machin là. Continuez à tout améliorer. Pas assez de nourriture. Ah oui, c'est parce que je peux continuer à faire des maisonnettes. Recherche d'invocation majeure. Ah, débloque les sorts d'invocation d'un élémentaire d'eau pour les adultes. Bah voilà. Ça coûte cher, par contre. Des mecs au bout, quand même. C'est 3000 de thunes, hein, par contre.
très très cher. Ah. Putain, la tronche du démon, quoi. 3000, on va aller voir ça. En tout cas, les ressources. Je ne manque plus de ressources pour l'instant. Les catapultes sont bien positionnées. Voilà, on va continuer à faire un temple aussi. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec le temple, mais on doit certainement pouvoir faire des trucs intéressants. De toute façon, on va faire un démoniste tout de suite. 900 le démoniste. Shit. Combien dans cette mine? 35 000. Ah, oh, on est bien. Est-ce que tous mes péons travaillent? Visiblement, oui. Il y a ces deux péons qui branlent rien. Armure à pied, j'ai toujours pas compris ce que c'était exactement. Je pense que tu le mets sur toi, j'ai l'impression. Alors, 250 de mana. Donc il fait des spiders. Là j'ai tout construit. Hein. J'ai pas amélioré la défense, je vais améliorer la défense aussi. Ouais, j'ai des points qui se lag quand même. 1500, ok. Et là on va commencer à se construire une vraie armée de fous. Pas assez de mana. Là, c'est en train de déboiser. Ah oui, ça prend toute la mana, ce truc. Ok, d'accord. On va voir ce que ça va en tout cas, quand même. Et l'armure impie débloque le sort d'armure impie pour le nécrolite. Alors, c'est bon. Voyons voir. Oh, putain. Ah oui. Ça invoque un démon, quoi. Là, la tronche du démon. Oh, les dégâts que ça fait. Waouh, ça fait énormément de dégâts. Incroyable. Et ça me coûte rien, juste de la mana, quoi. Bah, c'est GG. On va faire ça. Du coup, si je leur mets armure impie dessus, c'est incroyable. Il est où là? Tiens. Donc c'est à peu près le même level que ça. Ok. Donc je vais invoquer un truc impie là.
Ça arrive. Rend l'unité insensible aux attaques pendant une certaine durée de temps de la moitié de ses PV actuels. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui va dans cette mine. Je trouve ça bizarre. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Il reste combien dans cette mine? Ok, plus grand chose. Alors, on y va. Invocation du démon. Et on le protège. Mais si j'envoie 2-3 démons en même temps, c'est terminé, il y a plus de base. Ok, bon, du coup, faudrait que j'invoque 2-3 démons en même temps. Bon, le truc impie, c'est ça le rend insensible, certes. Mais par contre, c'est pas ouf en fait. Je m'attendais à un truc vraiment ouf. C'est pas ouf. Je vais faire invoquer des squelettes par contre. Bon, hop, hop, hop. On va produire, hein, là. Je lui ai envoyé 3 démons en même temps et puis il va se débrouiller avec ça. Catapulte. J'avais pas grand monde sur la mine. Ok, j'ai plus de. C'est avec ça que je vais attaquer. Pas mal. On va les éradiquer, hein. L'objectif c'est de les éradiquer. Hein. Ok, alors. Allez mes amis, éradiquez-moi ça. Des démons énervés. Ils sont trop forts.
Du coup, ils sont comment les démons de base? Oui, ils ressemblent à ça. Ok. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de trucs? Je sais pas. J'ai pas assez de nourriture? Ok, ça sera encore une barre. Tout seul, ils sont en train d'éradiquer le camp. Bon bah go, on va attaquer. C'est l'avant-dernière mission ça. Les invocations elles sont longues de fou hein, je trouve hein. Ok. Bon bah go hein. Bâtard, ils sont partis reconstruire. Oh, oh le strike! Bah, on continue à produire, hein. J'ai de quoi produire, hein. Éradication totale. J'ai envie de vous dire, c'est juste. Il est en train de reconstruire une base à côté, ils sont pas les couilles. Clairement, les démons ils tirent dessus. Hein.
Oh là là, la puissance du truc. Les démons trop forts, hein. Va falloir, je vais faire que ça, hein. On va finir la partie comme ça, hein. Bon. Ok, la dernière mission, mesdames et messieurs. Stormwind Keepers. Le donjon de Stormwind est à notre portée. Les orques se rassemblent tels des vautours autour d'une carcasse. Alors que l'heure fatidique s'approche, un rugissement enfle et emplit bientôt l'air alors que vos chevaucheurs de loups cravachent leur monture jusqu'à la frénésie. La terre tremble sous le poids des catapultes qui sont placées en position. Le feu des vestiges brûlants autour de vous danse dans votre regard tandis que vous observez les tours blanches du donjon de Stormwind. Bientôt ces tours seront rouges du sang du roi Lane. Avec sa chute, Azeroth tout entière sera à vous. Calme-toi. Lordaeron, le royaume de l'Est, à la limite. Mais pas Azeroth tout entière. Tu vas te calmer. Dernière mission, mesdames et messieurs. C'est parti. Alors. Ok. Trouvons les mines. Premier objectif. Là, il y a un chemin. Là, il y a un pont. Il y a une mine qui est là. Et il y a une mine qui est juste là. Parfait. Il y a une autre mine là. Allez, on tire le donjon du hurlement et tous les humains. Oh le bâtard. Oui, je sais que je suis attaqué. Ok. On va y aller doucement. Donc là, il y a une mine. Ok. On va descendre pour voir un peu ce qu'il y a en bas. Ok, on va construire des maisons jusqu'en bas. Là, il y a un pont, ok. Il n'y a pas de food map. Donc ça... J'ai pas de quoi contrer ça. Hein. Ça sent vraiment mauvais là. Putain. What the fuck? Laissez-moi produire en fait. Et comment je fais? Et comment je fais pour tuer ça, moi?
Ok, d'accord. Il me faut une catapulte pour tuer ça, ok. Très bien. Me voilà bien emmerdé. Va falloir que j'aille très vite, là. Sur une forge. Construire... d'autres casernes. Bordel. Putain, il m'a tué plein de péons. Et combien là-dedans? 33. Faudrait que je me positionne ici pour l'instant. Très efficace, hein. On va améliorer encore plus vite. On va mettre une main. Oh, je me suis tué un péon avec T1. Faut que je construise encore des... Ça, on va continuer à faire ça, c'est très bien, ça défend très bien. C'est la dernière mission, donc c'est celle qui va probablement être la plus longue. Va falloir que je me fasse des démons, hein, c'est mon objectif. D'or par contre, hein, faut pas oublier, 3000 d'or plus 900 d'or, il me faut 4000 d'or en gros quoi. Avant de pouvoir attaquer. Il faut absolument que j'enlève ces arbres. Alors enlève-moi ces arbres, toi. Parfait. On va améliorer les lanciers, comme ça, ça va me safe. Exactement ce que je voulais dire. Bâtard, il me détruit vraiment, il faut plus vraiment ça quoi. Putain.
C'est vraiment un bâtard. Il faut pousser vraiment les pions, ce bâtard. Il m'a niqué je sais pas combien de pions, le salaud, quoi. Servir à quelque chose, ou alors je la mets ici. Ça produit en masse. T'as vu un peu ces salauds invisibles là, hein? On produit. Plus on produit, plus ça rentre, plus l'argent rentre, plus on va vite. Il m'avait pas tué tous mes péons tout à l'heure, le bâtard, on en serait peut-être pas là. Avec ces putains de bâtards de chevaux, de chevaliers, de cavaliers même plutôt. Ça produit bien là. Très très bien. Je suis en train de récupérer 2000 en même temps. On va pouvoir commencer à construire ce que j'ai besoin. Oh, oh, oh. La tour. On va aller la mettre là. Il m'attaque plus.
c'est bizarre. Quand on m'attaque plus, j'ai bizarre, j'ai peur. Si, m'attaque, vous voyez? Le salaud. On va faire des catapultes, hein. Oh, il va mis cher, lui. On va faire des catapultes. Au cas où il se passe un problème. Ah, je peux pas améliorer les démons. Ah, parce qu'il me faut un... Je pense qu'il me faut un chenil avant. Une catapulte ici. Catapulte ici. Ok. Pourquoi j'ai autant de gens en bois? J'en ai plus besoin d'autant de bois. Est-ce que c'est bon? Toujours pas. Je peux pas faire de démon, what the fuck. Pourquoi je peux pas faire de démon? C'était trop fort. Ils l'ont de base le sort maintenant? Peut-être, on sait pas. Temple. Ils l'ont de base, pas besoin de 3000 d'or. Ah bah ça, ça fait plaisir. Ok. Ça c'est une excellente nouvelle. Du coup j'ai juste à produire des démonistes. Okay. On va augmenter les, la forge. Lui, je sais pas ce qu'il branle. On va pouvoir commencer à envoyer des démons. Et ça, ça va être bien. Ça va les calmer un peu là, quand je vais commencer à envoyer des démons dans la gueule. Ok. Trois démonistes, trois invocations, et ça part. Explosion de leur team là, leur base de merde. 35 000, 7 000. Est-ce que j'ai une autre base encore? Je suis pas sûr. Je vois qu'il joue comme moi. J'ai plus de catapulte là. Les catapultes, c'est un peu mes lignes de défense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je mets des catapultes, c'est eux qui détruisent le plus gros des unités et le reste est détruit par ma petite armée quoi. Quoi?
attaquer ce bâtard. Ça va faire mal. Sans les catapultes tout de suite, c'est pas la même chose. Tu leur fasses catapulte là-bas. Là. Hop. Hop. Alors, les invocations des trois démons, ça arrive. Ça va se faire maintenant. Et on va voir si, qui va faire le malin après. Ok. Allez. Faites les malins. Un peu plus énervé, c'est normal. Pourquoi c'est bouché comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? On va construire une autre caserne. Pas assez de bois. Ah merde. Ok, une mine en moins. Ok. Donc, on va renvoyer pas dans pas longtemps. Bah, allez. Attaquez-moi ça. Plutôt prendre le bois là-bas. Voilà. Allez-y, mes démons. Exposez-moi ça. C'est parfait.
C'est parfait. Ok, ma défense est plutôt pas mal, hein. Du coup, on va commencer à produire pour tuer. On n'a pas vraiment besoin en vrai, mais... Et why not? Comme ça alors qu'il n'y a pas de PNJ genre. Dinguerie ça. Mais j'ai plus d'or là, qu'est-ce qui se passe? Oui, tous mes PNJ ils sont partis, tous mes PNJ sont partis, d'accord. Ok, allez, on envoie en haut. Parti. Non mais... En fait, il y a un PNJ. Enfin, un péon qui répare tout, en fait. Enfin, qui reconstruit par derrière. En secret. Moi, je vois rien. Je suis trop mauvais. Est-ce que j'ai tout amélioré? Je sais pas. Ah ouais. On va dire ce bâtard, il construit tout derrière. Je pense qu'au niveau du chenil, j'ai pas amélioré la vitesse des loups. Ah si. Tant pour moi. Il est où le péon là qui casse tout depuis tout à l'heure? Enfin qui saoule. Il est là. Produit à l'infini ce bâtard. Y'a quoi là? Ils en sont où mes démons? Ils en sont loin. Ah putain, j'ai oublié de les envoyer. Ah, je suis une grosse merde. Tout ce qu'il y a. Emmerdé par un seul PNJ, par un seul putain de paysan, pardon. PNJ qui... Oh, pourquoi je dis PNJ? C'est des putains de péons.
Ils sont AFK. Un autre camp ici, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'on ferait pas encore des démonistes pour encore plus faire chier les mecs en voyant des démons qui cassent tout? Mais pourquoi il attaque pas lui? C'est une dinguerie ça. On va avancer les troupes. Je peux aller miner là aussi. Je peux peut-être taper aussi. Ok. J'ai éradiqué ce camp, on va attaquer là-bas. Tiens, tu sais ça. Contre ça, ça fait quoi? Donc ça, c'est Stormwind en fait. Je pense que j'avais les deux trucs de devant. Là, on est sur Stormwind, ok. Comment ça, on va attaquer? Il est passé par où, lui? C'est dingue, je sais pas par où il est passé, lui, mais... Très bien. Après, si je bloque, il peut passer invisible ou pas? Je suis pas sûr. Ok, catapulte. Ici. Catapulte. Ici. Et là, on envoie démons. Allez, mon gars. Allez, mes gars, on y va. Double démon, c'est GG, ils vont tout casser ces bâtards. Produit, on continue à produire. Ah du coup comme j'ai coincé la route, du coup il passe par en bas. C'est pas grave, ça me va. Allez, on y va. Ça me va. C'est parti, les démons.
ouais, on est bien positionné là. Oh, oh, le strike qui m'amuse, bâtard. J'avais pas vu venir celle-là. Il m'a éradiqué mon armée. Salaud. Il s'est bien défendu. C'est très bien. GG à lui. On va faire des chevaucheurs de loup. Allez. On va aller recasser des bouches. De toute façon, on va passer par en haut. Pas mal cette histoire de démon quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Stormwind est là, les gars. On y va. On voit tout. Des lanciers, des lanciers, des loups. Ok, Stormwind est là, les gars. Catapulte sur Stormwind. Et ouais, mon gars, des démons qui t'attaquent, tu vas faire quoi? Allez, on envoie tout. Un démon envoyé. Un deuxième démon envoyé. Un troisième démon envoyé. Un quatrième démon envoyé. Allez, c'est parti. Et bim. Stormwind, terminé. Terminé avec ces fermes qui résistent. Qui résistent encore à l'envahisseur. Il y a encore des péons qui survivent alors qu'on doit éradiquer tous les humains. Oui, il y a la catapulte. Regardez ce bâtard, il construit devant nous. C'est la victoire. C'est la victoire. The feel of bones crushed with the decimation of the human forces. The sacking of their castle was a simple matter. They offered little resistance once you ran their weak leader through.
Victoire pour la Horde. Une fois que les forces humaines ont été décimées, la mise à sac de leur donjon n'était qu'une formalité. Après avoir passé le roi au fil de l'épée et poussé son cadavre dans les douves, le reste de ses sujets n'a offert qu'une faible résistance. La capture de Stormwind a mis vos guerriers d'excellente humeur, et les offrandes d'or et de bijoux forment un large tribut à votre autorité. Le vin coule à flot et l'odeur de la viande rôtie vous remplit de satisfaction alors que débute votre festin de victoire. La campagne environnante est illuminée de feux de joie et des groupes d'orques hardis par les combats célèbrent la domination de ces terres avec des chants de guerre et de pillage. Vous avez enfin obtenu votre place légitime à la tête du royaume. Et en tant que chef de guerre des clans orques, quelle nouvelle conquête allez-vous mener ici? Le Conseil des Ombres vous a apporté de nouvelles informations concernant les terres qui s'étendent au-delà de la mer et ne sont pas encore soumises aux juges orques. Les démonistes vous demandent aussi l'autorisation de reprendre leur expérience avec le portail pour pouvoir soumettre d'autres mondes. Avec le pouvoir qui en est désormais en votre possession, les possibilités sont infinies, mais elles devront attendre un autre jour. Nice! La campagne est terminée, c'est le générique. On a fini la campagne orc. Donc ça c'est fait. La campagne humaine, je sais pas si je vais la faire. J'aimerais vraiment m'attaquer à Warcraft 2 maintenant qu'on a fini la partie orc sur Warcraft 1 Remastered. Donc je pense que la prochaine ce sera sur Warcraft 2. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut tout le monde. Bye.